Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Décryptage. Cette semaine, nous allons vous parler d'une catastrophe écologique qui touche le lac Léman. Chaque hiver, le refroidissement de l'air engendre un refroidissement de l'eau en surface qui va plonger cette dernière dans les profondeurs du lac. Les eaux du fond et de la surface se mélangent, c'est ce que l'on appelle un brassage complet. Plus l'hiver est froid et plus les eaux du lac vont plonger profondément et oxygéner les fonds. Mais cet hiver, seuls 130 mètres d'eau se sont mélangés sur les 389. Habituellement, un brassage complet intervient tous les 5-6 ans, mais là, le dernier a eu lieu il y a 10 ans, en 2012. Le coupable est tout trouvé, c'est le réchauffement climatique, et malheureusement, la tendance n'est pas prête de s'inverser. Conséquence, les fonds du lac se réchauffent et voient leur taux d'oxygène diminuer en raison des hivers doux. Toute forme de vie est donc anéantie dans les fonds du lac. Alors des solutions existent-elles à ce problème ou le lac Léman est-il condamné à ne plus avoir de vie dans ses fonds? La réponse, vous la trouverez dans le journal de cette semaine ou en cliquant sur le lien de l'article web en description. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Décryptage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, mais surtout à vous abonner, c'est entièrement gratuit, ou à consulter nos autres vidéos.